Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce quatrième webinaire colloque de l'année, webinaire de l'ANAT, Association nationale des attachés de recherche clinique et techniciens d'études cliniques. Vous le savez, cette association est la vôtre, c'est une association professionnelle qui a pour but de promouvoir donc, les relations entre les attachés de recherche, entre confrères, de la formation, de l'emploi, de l'employabilité, bien sûr, des propositions d'emploi, des offres d'emploi. Un groupe WhatsApp, vous avez dû recevoir également des invitations pour rejoindre notre groupe WhatsApp. Un site internet dont nous vous parlerons très prochainement, qui est désormais en ligne, donc anatasso.com. Vous pourrez le trouver très facilement et on vous en reparlera, vous recevrez des communications à ce sujet. Ce soir, nous parlons des attachés de recherche cliniques qui ont des fonctions dans les comités de protection des personnes. Les CPP, qui sont les comités d'éthique en France, et qui, dans lesquels siègent un certain nombre d'intervenants, que nous allons détailler ce soir. Et donc, il se fait qu'il y a aujourd'hui une démarche qui vise à intégrer dans les CPP des attachés de recherche, sous certaines conditions que nous développerons, afin qu'ils puissent examiner des protocoles et donner leur avis sur les protocoles en cours d'autorisation. Donc, je suis rejoint ce soir par Thierry Chevalier, que vous connaissez déjà, qui était intervenu dans un webinar précédent, professeur Thierry Chevalier, donc médecin au CHU de Nîmes-Carémo, également enseignant à la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes dans un DU sur la promotion des essais de dispositifs médicaux et vice-président du comité d'éthique du CPP Montpellier-Méditerranée 4, dans lequel j'ai également l'honneur de siéger en tant que membre du Collège 2, c'est-à-dire qualifié pour les raisons d'éthique. Bonsoir Thierry, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous. Et plaisir de, c'est avec plaisir que je vous retrouve pour vous passer quelques messages sur les CPP et le mode de fonctionnement et nos missions, et qui fera l'objet après d'une discussion entre nous à ce sujet. Merci beaucoup d'être avec nous, c'est un plaisir, c'est un honneur. Nous avons beaucoup de chance de pouvoir évoquer ce sujet, qui est un sujet novateur finalement, hein, pour un métier jeune, le métier d'attaché de recherche, qui frise les 30 ans bientôt, si on compte au départ de la loi Hurier de 88, mais surtout la mise en force des BPCICH en 96. Donc, on arrive dans l'âge de raison. Écoute, moi, je te propose de te donner la parole très rapidement parce que tu dois nous quitter à 17h45 et donc il faudra que tu puisses prendre des questions d'ici là. Donc, je mets la présentation à l'écran et je te laisse la parole et je me retire sur la pointe des pieds. Alors, ce n'est pas en plein écran encore, Yannick, mais ça va arriver. Voilà, c'est parfait. Donc, c'est toi qui as la main, je pense, pour les diapos, et je te ferai donner le signal, c'est ça? Ou c'est moi? En effet, je suis à ton écoute et je pilote les slides selon tes souhaits. Et puis, je ferai des variations d'écran pour qu'on puisse te voir et voir les slides de façon opportune. Je ferai de mon mieux. C'est parfait. Donc, quelques diapos hein, pour introduire le propos, puis effectivement, l'intervention sera plus ciblée sur l'échange que sur le contenu de mes diapos, pour vous donner un petit peu d'éléments de connaissances sur les compositions et fonctionnement des CPP. Alors, la diapositive suivante. Alors, les missions des CPP, hein, c'est comité de protection des personnes, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, mais je pense que tout le monde le connaît. Ils ont une mission très, très simple et bien détaillée dans le Code de santé publique, c'est d'émettre un avis préalable sur les conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine au regard des critères qui sont définis dans le CSP. Et sachant que c'est un avis, s'il n'est pas favorable, qui interdit la mise en place de la recherche. Donc ça, c'est des notions fondamentales où c'est un avis préalable, ça c'est la première notion qu'il faut retenir. Donc c'est avant de commencer une recherche.
Et sur les conditions de validité, on va voir ce qu'on entend par conditions de validité de toute recherche impliquant la personne humaine. Donc, on va voir aussi le cadre de ce que c'est une recherche impliquant la personne humaine. Et vous avez bien compris que dans l'intitulé, c'est commission de protection des personnes, comité de protection des personnes. Donc, ces comités auront pour ambition de protéger les personnes. Et normalement, vu qu'on a tendance à s'européaniser et que en Europe, on parle de comité d'éthique, apparaîtra vraisemblablement très prochainement le mot éthique dans l'intitulé de ces comités. Et l'avis est bien préalable, et s'il n'est pas favorable, la recherche ne peut pas avoir lieu, contrairement à il y a quelque temps où cet avis était consultatif. Diapositive suivante. Alors, la recherche impliquant la personne humaine, vous savez ce que c'est. C'est tout essai ou expérimentation organisée et pratiquée sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales. Et ça, c'est un terme assez important, même si on a l'impression que c'est acquis d'emblée, parce qu'il faut définir ce que c'est une personne humaine, et nous on se le remémore bien souvent sur ce fondamental et ce basique de la définition, parce que c'est quelquefois on a des recherches qui nous sont soumises mais qui n'impliquent pas forcément la personne humaine au sens de cette définition là et donc à ce titre là le CPP n'a pas lieu de donner un avis. Ça peut être des recherches sur uniquement des données de type rétrospective, ou c'est des recherches. Alors, on a des recherches. Alors, Yannick parlait tout à l'heure du dispositif médical. Alors, c'est vrai que j'ai plus une spécialité dans l'évaluation clinique du dispositif médical, en tout cas désormais. C'est vrai qu'il y a une dimension, et ça a été un débat qu'on a eu au sein des CPP, notamment, et au sein aussi de la NSM. Pour une typologie d'études qu'on a sur l'EDM, qui est l'étude d'usage, c'est-à-dire des études qui vont évaluer le comportement de l'individu par rapport à un dispositif médical. Alors, par exemple, un lecteur de glycémie, avant de le mettre sur le marché, il faut savoir si l'individu qui se prête à l'exercice et à l'utilisation de ce dispositif a bien compris, et on est dans ce qu'on appelle l'usability. Et là, typiquement, on est border, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la recherche clinique, on n'est pas dans des dossiers. Pourtant, on fait des études qui vont impliquer des personnes, mais on n'a pas la notion d'améliorer les connaissances biologiques médicales. Donc, vous voyez, c'est assez touchy, quelquefois, cette définition-là, mais il faut la retenir parce que sur la soumission des dossiers que l'on a, quelquefois, c'est un critère qui nous permet de dire est-ce que c'est pour nous ou c'est pas pour nous. Et effectivement, les CPP, une fois qu'ils ont décidé qu'un dossier était pour eux, alors je ne rentre pas dans le détail maintenant de ce qui est les dossiers qui sont de type hors produits de santé et donc qui sont rattachés à la Jardé, je pense que vous l'avez vu par ailleurs. Les dossiers qui sont soumis mais qui dépendent maintenant du règlement européen, c'est tout ce qui concerne les dispositifs médicaux. Et depuis peu, donc depuis la rentrée de cette année, les médicaments sont soumis aussi, non plus à la loi Jardé, mais à une directive ou un règlement européen concernant le médicament, au même titre, enfin, c'est pas le même, mais c'est au même titre que les dispositifs médicaux. Et les CPP vont se prononcer sur les dossiers de recherche qui leur sont soumis en vue la mission première, de protéger les personnes, c'est-à-dire d'évaluer sur le plan éthique cette recherche. Mais ça ne s'arrête pas là, puisque le côté éthique est souvent rattaché ou la protection des personnes est rattachée l'intérêt de la recherche, l'utilité de cette recherche et le bien fondé et la pertinence du projet qui nous est soumis. Parce que une recherche peut protéger une personne, c'est-à-dire ne lui fait pas de courir de risques, etc., etc. Mais ça, on y reviendra dans le détail ou dans les questions. Mais il faut que cette recherche ait une utilité. On ne fait pas de la recherche pour se faire plaisir. On ne fait pas de la recherche pour faire de la publication. On fait de la recherche avant tout pour faire avancer la science. Et si la recherche qui nous est soumise ne fait pas avancer la science, il n'a pas de sens sur le plan scientifique, forcément,
on la considère comme inutile, car non éthique, et impliquer les personnes dans une recherche qui n'a pas de sens, ben c'est, on garantit effectivement aussi ce côté lié à, au sens large du terme, de ce qu'on entend par éthique de la recherche. Et rattaché aussi à ce mot-là, il y a la notion de méthodologie, c'est-à-dire qu'on peut avoir un bon sujet de recherche, on peut effectivement ne pas faire encourir de risques aux patients ou des risques maîtrisés, mais la recherche que l'on fait est faite selon des standards méthodologiques qui ne permettent pas de répondre à l'objectif que l'on s'est fixé. Donc on fait finalement une recherche pour rien parce qu'on va mal la faire et les résultats que l'on tirera ne seront pas exploitables et ne répondront pas à l'objectif qu'on s'est fixé. Donc vous voyez qu'on va être sur ces trois dimensions-là pour donner un avis qui sera indispensable pour avoir l'avis favorable, en plus des avis autres qui pourront être demandés, notamment à la DSM, en fonction de la typologie de la recherche pour commencer effectivement de faire cette recherche. Diapositive suivante. Alors, pour émettre un avis, vous allez voir que les trois dimensions d'évaluation du dossier sont très liées à la composition des CPP, et c'est une bonne chose, puisqu'un CPP est composé, alors un peu plus maintenant, il y a 28 membres, mais c'est une petite coquille, qu'il y en a un peu plus maintenant depuis très peu. Je crois qu'il y a 4 membres de plus qu'on a du mal à recruter d'ailleurs dans les CPP, qui sont répartis en général dans deux collèges, hein, et on va les voir en détail. Et il faut savoir qu'en France, on a 39 CPP qui sont agréés par le ministre chargé de la Santé tous les 6 ans, et on est répartis en 7 interrégions. Diapositive suivante. Alors justement, pour avoir une pluralité de l'évaluation éthique de la recherche, il y a plusieurs profils de personnes qui sont indispensables. Et d'emblée, je le dis, et qui ont le même poids dans leur décision et dans leur jugement sur le fait que le CPP et le président va donner un avis favorable ou pas à la recherche, parce que ça sera sous la forme d'un vote, et chaque personne qui sont convoquées aux différentes séances, on va le voir tout à l'heure, son avis est favorable ou pas favorable, ou favorable mais avec des questions qu'on leur pose pour avoir un peu plus de précision. Chaque avis compte, et c'est un avis collégial, et chaque membre a le même poids dans son jugement. Et c'est pour ça qu'on définit des personnes d'horizons différents, donc à la fois qui sont réparties en deux collèges, alors à la fois des personnes qui sont un peu plus spécialisées en épidémiologie, en méthodologie, en recherche clinique, et qui ont une expérience approfondie en recherche biomédicale, ce qui est mon cas. Il y a des médecins généralistes qui doivent faire partie des CPP, des pharmaciens hospitaliers, des auxiliaires médicaux. Ça au titre du premier collège. Et au titre du deuxième collège, des personnes qui sont qualifiées en matière d'éthique, des personnes qui sont qualifiées en matière de compétences en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine social, des personnes qui sont qualifiées en matière juridique et des représentants d'associations de malades, d'usagers, du système de santé. Vous voyez que c'est assez pluriel comme composition, mais tout à fait intéressant parce que c'est comme ça qu'on peut juger à bien, sans a priori se tromper, sans avoir une vision en tout cas trop centrée sur son centre d'intérêt ou son métier, et de donner un avis éclairé sur la qualité éthique de la recherche qui nous est donnée pour avoir un avis. Diapositive suivante. Alors, hormis les membres du collège, hein, les membres du CPP qui sont répartis au sein de deux collèges, ces membres vont élire pour 3 ans un président et un vice-président. C'est une élection à la majorité absolue, bien sûr, des présents. Et c'est le vice-président et le président sont élus pour 3 ans. Diapositive suivante.
Alors, comment se passe une séance au CPP? Alors, en général, alors ça dépend du mode de fonctionnement, mais en général, c'est une séance plénière tous les mois. Et pour les membres du bureau, c'est-à-dire vice-président, président et secrétaire général, en général, il y a deux secrétaires généraux. Il y a une réunion aussi, une réunion par mois. Donc, en fait, on se voit tous les 15 jours pour évaluer les réponses aux questions qu'on a posées, pour évaluer éventuellement les modifications substantielles. Et la séance plénière, c'est pour évaluer les dossiers natifs qui nous sont soumis. Et le CPP, en cours des séances, donc pour chaque dossier, il y a un rapporteur qui est désigné, un expert éventuellement si le sujet que l'on traite est un peu pointu, comme la psychiatrie, comme la pédiatrie, etc., et qu'on n'a pas les compétences en interne. Et bien sûr, une personne qui va évaluer le dossier plutôt sur le côté, au sens éthique de la recherche, notice d'information, consentement, etc., etc., et information de la personne, pour avoir cette vision-là que la recherche est bien documentée et bien comprise par la personne qui va s'y prêter sur les documents qui nous sont fournis. Et le CPP, à l'issue de cette. De cette session dédiée au rapporteur pour un projet donné, ben les membres vont émettre un avis qui peut être un avis favorable, c'est-à-dire la recherche, le CPP pour une recherche donnée ou un protocole donné va donner un avis favorable, ou c'est un avis favorable qui est sous réserve de questions qui vont être posées au promoteur. Et il y a deux types de séries de questions. Soit c'est des questions basiques qui vont être modifier le titre ou préciser cet élément, etc. Et les questions ne repassent pas en séance, mais repassent uniquement en bureau. Ou alors c'est des questions vraiment prépondérantes parce que ça va toucher l'objectif, ça va toucher la méthodologie, ça va toucher la lettre d'information ou le consentement du patient, et à ce titre-là, ou l'assurance, etc., etc. Donc des points un peu importants. Et là, il repasse à la deuxième séance pour que le CPP se prononce sur un avis favorable à la deuxième session. Soit c'est un avis qui peut être défavorable, sans recours, et le CPP émet un avis défavorable, bien sûr, documente la raison de son avis défavorable, mais pour le promoteur, ce n'est pas un avis défavorable définitif parce qu'il est en droit de saisir un deuxième CPP après que un premier CPP ait donné un avis défavorable. Et nous avons aussi comme autre mode de fonctionnement, hormis l'étude des dossiers pour émettre un avis, on peut avoir des avis consultatifs sur des projets de recherche pour savoir si effectivement ça rentre dans le cadre de la mission d'un CPP, ça rentre dans quelle catégorie de recherche, est-ce que c'est plutôt un DM, plutôt un HPS, plutôt une recherche médicament, etc. Donc on a aussi un rôle de conseil. Diapositive suivante. Alors les délibérations, hein, on a un certain temps pour délibérer et au niveau des obligations des membres, on a deux obligations fondamentales hein, qui sont, voilà, c'est ça, qui sont effectivement le secret professionnel et aussi la déclaration d'intérêt, public d'intérêt, parce qu'il ne faut pas que les membres soient liés à un sponsor ou travaillent pour tel ou tel organisme, parce qu'il faut que les liens d'intérêt soient mis de côté pour on ne peut pas être jugé parti dans l'évaluation d'un dossier de recherche. Voilà, dernière, je pense, diapositive sur le fonctionnement, sachant que les CPP, donc, les membres des CPP sont bénévoles. Il y a une indemnité uniquement liée à leur mode de fonctionnement et puis à leur, je dirais, à leur indemnité kilométrique s'ils doivent se déplacer. Et voilà, je suis ouvert et on est ouvert à Yannick parce qu'il a autant d'expérience que moi, si ce n'est plus dans le fonctionnement d'un CPP, pour répondre à vos questions, j'allais dire pratico-pratiques.
Merci beaucoup, Thierry. C'était passionnant. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à réagir, à poser vos questions. On ouvre une première séance de table ronde. Je fais rentrer de ce pas Alain. Alain, est-ce que tu es avec nous? Je te vois dans la salle d'attente. Alain, est-ce que tu veux nous rejoindre pour la table ronde? Alors, je vais laisser Alain s'installer. Je pense qu'il n'est pas prêt. Moi, j'ai noté effectivement cette notion que tu as apportée sur la terminologie éthique, car effectivement, historiquement, dans sa grande sagesse, les sénateurs Hurier et Cyrus Clat parlaient en 1988, dans la loi du 20 décembre, de comité de protection, comité consultatif de protection des personnes se prêtant à la recherche biomédicale. Donc, qui n'était pas exactement le terme d'éthique que l'on va retrouver dans les bonnes pratiques cliniques ICH et qui seront en force en 1996, avec la notion de IEC et de IRB, IIC, IRB, donc Institutional Ethics Committee, Independent Ethics Committee et Institutional Review Board, qui était déjà dans la déclaration d'Helsinki de 1964. Alors, nous sommes en France sous le régime d'IEC, Independent Ethics Committee, c'est-à-dire comité central, mais il existe des pays européens comme l'Espagne et la Belgique, le Royaume-Uni qui n'est plus en Europe, où il y a le système Institutional Review Board, c'est-à-dire avec des comités dans les hôpitaux. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu veux commenter ça, Sia? Donc, aujourd'hui, l'Europe préférerait parler d'éthique pour se rapprocher certainement de la déclaration d'Helsinki, n'est-ce pas? Oui. Je te laisse la parole, hein. C'est pour commenter la raison pour laquelle on était en France sur la notion de protection des personnes avec les comités consultatifs et que maintenant, finalement, on revient dans la ligne de la déclaration d'Helsinki. Je fais rentrer Alain dans la salle. Oui, on est en train d'harmoniser et j'ai vu dans des projets que la notion de... Je crois qu'on est un des seuls pays de la... en Europe, qui n'a pas le mot éthique dans son comité. Donc, effectivement, c'est un mot qui devrait apparaître pour harmoniser, pour que chacun comprenne que, effectivement, les CPP sont des comités d'éthique. Alors, on l'a vécu plus récemment avec dans le cadre de l'évaluation des dispositifs médicaux, parce que la notion européenne pour l'évaluation des dispositifs médicaux, en fait, elle date... on est sensibilisé à ça depuis 2017, mais on a été effectif, ça a été le règlement s'est imposé aux États membres depuis le 6 mai 2021. Donc depuis le 6 mai 2021, effectivement, un promoteur qui veut faire une recherche sur un dispositif médical, quelle que soit son origine, peut saisir... la France, l'Espagne, la Pologne, l'Italie, pour déposer son dossier, par exemple, pour l'obtention d'un marquage CE, d'un dispositif médical, et bien sûr l'évaluation, l'étude clinique qui s'y rattachant. Et à ce titre-là, effectivement, il y avait eu un débat, se dire, mais en France, dans le règlement européen, il y a marqué ces dossiers doivent être approuvés avant tout par un comité d'éthique, mais ce n'était pas adaptable à la France. Donc, c'est pour ça que c'est en train d'être modifié, ou en tout cas de se modifier dans les prochains mois. Alors, une question de la salle sur le fait est-ce qu'il existe toujours un tirage au sort pour les CPP? Oui, il existe un tirage au sort. Oui, bien sûr. Alors, ce qu'on peut rajouter à la réponse à cette question, c'est que le tirage au sort se fait sur un ressort national, bien qu'on soit passé maintenant sur un ressort européen, n'est-ce pas, pour la soumission des demandes d'autorisation, le ressort éthique, c'est toujours celui du pays. Exactement. Donc, il y a bien un tirage au sort qui se fait, avec plus ou moins des entre guillemets, des orientations, des positionnements des CPP sur des thématiques d'évaluation des dossiers. Hein. Alors, par exemple, à Montpellier, on fait beaucoup plus de médicaments que d'EDM, à mon grand regret. Mais effectivement, il y a une volonté pour accélérer un petit peu l'évaluation des dossiers, ce qui est normal. Hein. C'est-à-dire que évaluer les dossiers, il faut une certaine habitude et une certaine spécialisation des CPP. Et donc, il y a une orientation qui a été faite aussi dans le tirage au sort par rapport à ça.
Une question que je trouve excellente de la part d'Héloïse et Roland. Aujourd'hui, nous rencontrons dans les études des notes d'information de plus en plus longues. Peut-on alors considérer que ces dernières sont axées autour de la protection des personnes et ou bien sont-elles plus pour protéger les sponsors? J'adore cette question. Je te laisse y répondre. Je mettrai mon petit grain de sel après. Mais j'aurais tendance à dire le côté smiley hein, de la réponse, c'est-à-dire qu'effectivement, on est aussi pour la, voire même plus pour la protection des personnes, voire même plus pour la. Allez, je vais me mettre les pieds dans le plat parce que j'ai l'habitude de le faire. Hein, presque pour la désinformation des personnes, parce que c'est tellement complexe pour protéger le sponsor que la personne qui lit ne comprend pas. Et c'est le rôle des CPP de rendre ça lisible et compréhensible. Et ça, c'est une mission extrêmement importante. On a beaucoup de mal avec ça. Je pense qu'on sera d'accord pour dire qu'une bonne feuille d'information ne devrait pas dépasser une dizaine de pages, qu'elle devrait privilégier de l'iconographie. À Montpellier, nous réfléchissons avec le passé président à la question aussi des consentements audio-vidéo dont on sait qu'ils sont utilisés dans les pays en développement, comme en Afrique, qui sont parce qu'il y a des langues vernaculaires, donc c'est beaucoup plus efficace. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, difficilement compréhensible, donc un jargon médical et aussi un jargon juridique dans lequel on voit effectivement en filigrane que ce que cherche le sponsor, c'est se protéger. Alors pourquoi? Parce qu'effectivement, on a aussi beaucoup de sponsors d'origine américaine qui essayent de nous importer ces formats de feuilles d'information qui peuvent le faire 20 à 30 pages. Oui, et sans oublier quelquefois les problèmes liés à la traduction, parce que les protocoles nous sont soumis en anglais, mais il y a une traduction, alors bien souvent elle est faite sur Google Translate, hein, et bien souvent, il y a une incohérence après dans le... Parce qu'on nous soumet les dossiers, enfin, ils ont l'obligation de nous soumettre le résumé en français et le consentement et la lettre d'information en français. Mais bien souvent, ils font ça rapidement. Et donc, il y a vraiment un vrai travail de lecture des personnes qui sont vraiment très pointues dans ces notions de consentement et de lettre d'information qui est capitale. À la fois pour que tous les mots qui ont été choisis sont compréhensibles et je crois que dernièrement c'est un mot qui nous fait à chaque fois sursauter ce sujet des grossesses hein, et des patients qui sont tombés enceintes parce que c'est alors on a un spécialiste qui a des crises urinaires à chaque fois qu'il voit ce mot-là à juste titre hein, parce que c'est effectivement un non-sens. Alors justement, il me semble que c'est là que l'attaché de recherche expérimenté, qui connaît les réalités de terrain et les interactions entre les médecins, investigateurs et les patients, peut probablement avoir un œil très critique, comme le fait Héloïse ce soir, où elle nous dit, encore une fois, il y a un manque flagrant de relecture, même de l'original, et je suis d'accord avec elle. Et nous ne sommes pas là, nous, CPP, pour relire les CPP à la place du promoteur. Donc là, je crois que l'attaché de recherche peut apporter une dimension technico-éthique, c'est-à-dire peut vraiment apporter son œil critique sur la réalité de ce que peut comprendre un patient. Et on ne parle pas simplement de réalité socio-culturelle ou socio-professionnelle, on parle aussi du fait que quand on est patient, et on peut l'être nous demain, on n'a pas le même niveau de compréhension, on n'a pas la même perspective que quand on est en pleine santé. Alors de ce point de vue-là, moi, je dirais qu'une bonne feuille d'information devrait être lisible par un jeune adolescent ou par une personne âgée. Ce serait des points de repère, on pourrait presque faire le test. Et il y a d'ailleurs des tests, alors je ne me souviens pas le nom, mais je pourrais documenter si vous le voulez, mais il existe des tests pour tester les feuilles d'information sur ces critères-là d'intelligibilité, en bannissant en particulier des jargons juridiques ou médico-pharmaceutiques. Je te laisse... Oui, mais je voulais rebondir sur le rôle de l'ARC. Hein, effectivement, il y a aussi on oublie dans ces notes d'information le côté patient et le côté pratique de la recherche. Et bien souvent, dans ces notes d'information, elles vont peut-être directement droit au but lié à la recherche et lié à l'ambition du promoteur. Mais il y a le côté humain et le côté sens pratique de la recherche.
Et c'est vrai que c'est les personnes qui sont au plus près et qui font la jointure entre le patient et cette dimension recherche, donc en l'occurrence les attachés de recherche clinique, qui peuvent apporter aussi quelquefois une dimension intéressante. J'ai retrouvé, hein, c'est lisibilité et information des patients. Deux points, un outil à votre disposition, recherche clinique Paris Descartes, Necker Cochin, qui ont fait un test. C'est l'URC et CIC qui ont fait ça avec des niveaux d'indice de flèche. Donc je le note ici. L'indice de lisibilité, c'est l'indice de flèche. Voilà, je crois que je l'orthographie bien. Vous le trouverez facilement. Je rajouterai le lien utile, qui est un lien sur c'est recherche clinique paris-centre.fr et tapez recherche indice de flèche et c'est un indice d'intelligibilité. Alors, il est pas officiel, hein, il est pas mais en tout cas il a été édité par un centre d'investigation clinique de renom. Donc on peut s'y référer même si aujourd'hui tout ça n'est pas dans la loi. Alain, on t'a pas entendu, je te laisse la parole pour commenter Oui. l'implication de l'ARC dans ces missions qui viennent Alors, d'être décrites. j'espère que vous allez bien m'entendre. Oui, je voulais faire une remarque sur la lisibilité. Vous savez qu'un laboratoire qui exploite un médicament a une exigence de test de lisibilité de notice. Hein? Donc, ça, c'est une exigence réglementaire. On pourrait tout à fait imaginer, dans un avenir proche, un test de lisibilité de notes d'information. Avec un petit groupe pilote, hein. Ça pourrait peut-être être une exigence ou au moins une attribution donnée à un ARC, par exemple, ou au comité d'éthique dans son entier, parce que ça conforterait ce que vous avez dit, c'est-à-dire se rapprocher de la réalité vis-à-vis des patients et se rapprocher le plus possible de la faisabilité de l'essai. Voilà la remarque que je voulais faire. Oui, dans le sens, effectivement, où tu as raison, où d'abord, la feuille d'info ne doit pas être un obstacle à la réalisation de l'essai, mais doit aussi être suffisamment fluide voilà, pour permettre à une personne de Et comprendre ce qui va lui arriver. c'est vrai Alors, qu'on les teste pas directement chez les patients concernés. juste d'un mot, je te laisse la parole, Thierry, de dire que il y a encore des médecins, on peut le dire, des médecins investigateurs qui considèrent que le consentement peut être un contrat. Ce n'est pas le cas. Ce n'est surtout pas un contrat, car il n'y a pas d'obligation réciproque des parties, hein, on peut le dire comme ça. Thierry, je te laisse la parole. Non, mais c'est vrai que la remarque d'Alain est importante, hein. Je crois que les tests de lisibilité, mais par les personnes concernées directement par la maladie, sont peut-être des notions effectivement qui ont tendance peut-être à faire progresser nos évaluations des projets de recherche et donc et notamment des outils d'information. Oui, Bon, on cite un petit peu ça que. pourrait être à défaut d'exigence, ça pourrait être une recommandation. Exactement, parce que. À défaut d'exigence vis-à-vis du sponsor, ça pourrait être une recommandation pour faciliter, bien sûr, l'analyse par le comité, réduire les délais peut-être aussi, parce que la note d'information peut peut-être augmenter le délai d'instruction. Oui, mais et puis elle peut être très propre sur un plan sémantique, la d'information, mais Voilà. peut-être pas comprise par tout le monde, au sens où la personne qui va se prêter à la recherche devrait le comprendre. Et ça, c'est effectivement une notion intéressante et importante, hein. Au même titre que de plus en plus maintenant, on voit passer on a ce qu'on appelle les patients partenaires, hein, qui vont accompagner le patient dans des parcours un petit peu particuliers de maladies chroniques, notamment en cancer, parce qu'ils ont vécu et ils comprennent et ils comprennent pas, ils ont une vision complètement adaptée et ce que n'a pas forcément le soignant. Parce que on a des dimensions qu'on peut pas avoir, même si on est très Alors, impliqué dans ce qu'on fait. juste, j'interviens là-dessus, Alain, je et voulais. je te laisse la parole juste après. Oui, je voudrais également insister sur le fait qu'il y a dans les comités d'éthique, dans les CPP, des associations de patients qui sont représentées et dont le rôle est effectivement de nous apporter cette sensibilité du patient qui lit un consentement. Ils se mettent à leur place et ils nous font des témoignages édifiants souvent et nous rappellent que nous sommes des gens qui sommes instruits en matière de pharmaco et de médecine et que ce n'est pas le cas des patients. Ils nous le rappellent régulièrement, voilà, parce qu'évidemment, nous-mêmes, nous sommes tentés de tomber dans la banalité du jargon
et il nous rappelle à ce genre d'obligation. D'autre part, dernière rencontre capitale à l'Institut de France, il a été question effectivement du patient expert que tu évoques, Thierry, le statut de patient expert qui va être dans la loi et qui va permettre aux patients, alors pour de siéger, mais d'accompagner aussi dans les hôpitaux d'autres patients pour leur éviter ces écueils. Oui, Alain, je te rends la parole. Alain, je te rends la parole. Bon, Alain ne m'entend plus. Donc, écoute, il est 17h35, Thierry. J'ai encore 10 minutes, si c'est possible. Si tu... Donc, alors, Héloïse, à nouveau, nous dit le patient s'y perd, la charge administrative est lourde pour les centres. Alors, ça, la question de la lourdeur administrative des centres, c'est effectivement aussi une dimension technico-éthique que l'attaché de recherche peut apporter, c'est-à-dire que si l'on met trop de charges sur la gestion des feuilles d'information et de consentement, ça va être un obstacle au recrutement et donc à la faisabilité de l'essai. Donc, des sortes d'injonctions contradictoires qui sont difficiles à gérer finalement et que pour lesquelles nous, CPP, nous n'avons pas nécessairement tout le recul nécessaire. Non, c'est vrai. Alors là, il était question donc de plus en plus de sponsors mettent en place des études avec des ICF rapidement faits et durant l'étude, de nombreuses versions sont dispensées. Alors là, on nous parle de Madagascar. Bonsoir Madagascar. Alors, votre comité d'éthique modifie toutes les notes d'information et de consentement validées par les CPP en France. Trop long pour eux. Ben, merci pour ce témoignage, Thierry. Alors, voilà. Donc, vu de l'extérieur, voilà le témoignage. Alors, après, on avait une discussion entre nous. Hein. C'était, on disait que les arcs n'étaient pas assez présents dans les CPP. C'est vrai que bon, nous, on a un petit peu de bouteille parce que ça fait quelques années qu'on est dans les CPP. Et de mémoire, je crois qu'on n'avait pas, eu tant de candidatures que ça ou tant de représentants, en fait. Et c'est peut-être une façon aussi de faire passer le message, de dire que ne pas hésiter à déposer une candidature à l'ARS, etc., lorsque le besoin s'en fait sentir ou lorsque il y a un appel à candidature, parce que c'est une profession qui se doit d'être représentée autant que faire se peut dans les CPP. Je pense que c'est vraiment l'enjeu de cette soirée, hein, c'est de faire de la publicité, littéralement de rendre public, hein, non pas de faire la publicité au sens commercial du terme, mais de rendre public le fait que la conférence des CPP en France là, souhaite promouvoir la candidature de nouveaux types de membres, en particulier donc les attachés de recherche, les opérationnels en recherche clinique, pour l'éclairage de terrain sur ce qu'il est nécessaire de prendre en compte pendant la demande d'autorisation de l'essai. Voilà, donc je crois qu'on va te libérer. Merci à Yannick, merci à tous et toutes de m'avoir écouté, et puis au plaisir. Au plaisir, bon, de toute façon, je pense que les personnes peuvent te rejoindre sur ton réseau LinkedIn. Avec plaisir. Réseau LinkedIn ou Facebook, je ne sais pas ce que tu préfères, Twitter, LinkedIn. LinkedIn, parce que je suis que là-dessus. Où est-ce qu'on peut trouver les informations? Uniquement sur LinkedIn, parce que je suis de l'ancienne génération, donc... Donc, on retrouve sur LinkedIn, on retrouve également les pages de ton DU de recherche médicale DM à la faculté de médecine de Montpellier sur ton profil LinkedIn. Et puis, on se dit à bientôt. À bientôt, merci. Merci Thierry. Alors, j'en profite avant de faire ma présentation pour vous parler du site de l'association. Je fais rentrer Alain. Qui est à l'origine, donc Alain, notre président d'honneur, qui est à l'origine de ce fabuleux site internet assoanat.com, asso-anat.com. Alain, c'est à toi, tu veux nous parler de ce site internet. Alors, effectivement, j'invite tous les arcs et techs qui nous écoutent à aller sur ce site, d'aller sur toutes les rubriques et tous les onglets, vous verrez que vous avez beaucoup de documentation, et bien sûr de nous exprimer sur l'adresse email que vous verrez sur la page adhésion et contact. Vous pouvez nous exprimer tous vos commentaires, toutes vos suggestions pour l'amélioration du site et bien sûr nous,
Nous lançons avec ce site la campagne d'adhésion pour devenir membre de l'ANAT. Et ainsi, vous verrez tous les avantages que vous pouvez tirer de cette adhésion. Donc, je rappelle l'adresse de ce site, http://asso-anat.com. Je vous invite donc à consulter ce site et je te rends la parole, Yannick. Merci Alain. Effectivement, nous allons faire une campagne de communication sur ce site internet pour expliquer en quoi il est important, en quoi il est lié aussi à un statut premium. Aujourd'hui, vous êtes là avec nous sur un statut freemium, hein, donc des webinars gratuits. Il y a des fonctionnalités qui seront accessibles pour les membres cotisants et qui seront effectivement centrées sur la formation, sur l'emploi, sur la poursuite des carrières. Donc évidemment, c'est très intéressant de souscrire sur le site internet pour pouvoir accéder à ces fonctions premium, à ces avantages premium dans lesquels il y aura également un accès privilégié aux rencontres nationales des attachés de recherche, n'est-ce pas, Alain? Oui, donc le principe de l'association, c'est bien sûr augmenter le niveau de professionnalisme des arcs et des techs par tous les moyens de formation et d'information, mais c'est aussi concrétisé par un événement annuel qui s'appelle les Rencontres nationales des arcs et des techs, qui avait été créé en 2008 et qui est devenu pérenne jusqu'en 2016, puis ensuite qui s'est interrompu, et notamment à cause de la pandémie ces deux dernières années. Donc là, nous allons refaire un événement à la fin de l'année, avec en présentiel, avec des plénières, des ateliers, et nous reprenons un petit peu la formule qui avait fait son succès, puisqu'il y a des années où nous avions environ 400 à 450 participants, que ce soit des experts du monitoring ARC promoteur, CRO, donc du monde privé, ou que ce soit des ARC hospitaliers et des techs, c'est-à-dire des experts du monitoring en milieu hospitalier. Je te redonne la parole, Yannick. Merci Alain, ça se passera certainement fin octobre ou début novembre, hein. Ce sont les dates anniversaires à peu près de ces événements, événements que tu as créés il y a plus de 10 ans, en 2008 si je ne me trompe pas, première version. J'ai eu le bonheur de participer en tant qu'orateur à la session de 2011. C'était des très beaux événements qu'on veut absolument retrouver et qui sont liés évidemment à l'association. Hein. L'association vous accompagne toute l'année et les rencontres, c'est le point d'orgue. On se voit physiquement et on échange des conseils, des formations et des cartes de visite du réseautage. Je vais passer à ma présentation, un autre angle d'approche sur le fonctionnement des CPP et sur l'implication des attachés de recherche en CPP. Alain, je te retrouve tout à l'heure pour la table ronde. Donc, je vais vous parler donc du fonctionnement des CPP vu d'un attaché de recherche, qui est mon métier d'origine, comme vous le savez, et donc voir comment se passent les choses en CPP et l'intérêt d'avoir des attachés de recherche en CPP. Alors, pour commencer, le grand public s'imagine que les personnes qui participent à des essais cliniques sont des cobayes humains. On parle souvent de ça, c'est des discussions de bars de commerce ou le dimanche autour du poulet dominical, c'est de se dire, tiens, oui, mais si je participe à un essai, je suis cobaye. Pas du tout. Donc, on fait tout de suite la différence entre un cobaye et un sujet humain qui participe à un essai clinique. Alors, je vous dis tout de suite que ce que je suis en train de vous présenter est tiré d'un fascicule qui est délivré aux membres des CPP. Hein. Donc, voilà, on fait tout de suite la distinction entre le petit rongeur éponyme qui s'appelle le cobaye, qui, lui, ne peut pas donner son consentement, comme la plupart des animaux en expérimentation, d'ailleurs. Alors qu'un sujet, un patient sujet de recherche biomédicale, un participant à la recherche biomédicale, donne son consentement. Et c'est ce qui fait toute la différence. Donc, d'où l'importance, effectivement, que ce soit pour un attaché de recherche sur le terrain, qui est un véritable ange gardien de l'essai thérapeutique, de vérifier que le consentement a bien été obtenu de façon sincère et documentée, de la même façon, au niveau d'un CPP, ce qui va nous intéresser en priorité, c'est les modalités de participation du patient et son consentement à la pratique du protocole. La conviction première, c'est la protection. D'ailleurs, la loi Hurier de 1988 s'intitulait « Loi de protection des personnes qui participent à la recherche biomédicale ». Le terme de protection est premier dans l'activité des comités d'éthique, et c'est probablement pour ça qu'en France, il y a cette exception culturelle où on parle de comité de protection des personnes, pour insister sur le fait que ce qui nous préoccupe, c'est d'abord que le patient ne subisse pas de dommages, primum non nocere, vous savez, d'abord ne pas nuire au patient, qui est la dimension hippocratique. Donc, la dimension éthique
et connexes avec d'autres dimensions qui ont été évoquées par Thierry Chevalier, les dimensions méthodologiques, scientifiques et le respect des droits des patients. C'est ces dimensions-là qui vont permettre de dire si un essai est éthique ou pas. Prenons un exemple sur un plan scientifique pur. Thierry disait, on n'est pas là pour faire la publication. En effet, les essais répétitifs sont interdits. Une fois que la réponse a été obtenue sur la pharmacologie ou la tolérance, il serait non éthique de répéter le même essai clinique. Nous savons quels sont les essais qui ont été effectués. Nous interdisons les essais répétitifs pour épargner les patients. Donc l'épargne de patients, c'est une des dimensions du rôle du CPP, épargner, c'est-à-dire faire en sorte que des patients qui n'ont aucune raison de participer à un essai n'y participent pas, et de faire le minimum indispensable. Donc les CPP, les comités d'éthique en France, sont des instances indépendantes dans lesquelles siègent des personnes qui sont essentiellement bénévoles, même si le bureau et le secrétariat peuvent être salariés. Les rapporteurs sont des gens bénévoles qui n'ont pas de lien d'intérêt, je vais y revenir, et qui sont indemnisés vraiment de façon très symbolique. Donc, la participation à un comité d'éthique nécessite une indépendance de parti, et évidemment, on n'y va pas de façon intéressée. Cette indépendance de parti se matérialise par une déclaration d'intérêt qui est publiée sur le site de l'ARS. Si vous tapez mon nom plus ARS, vous trouverez ma déclaration d'intérêt qui montrera que je n'ai pas de lien ou de conflit d'intérêt avec des laboratoires, par exemple. Donc, vous voyez ici comment ça se décline. C'est-à-dire qu'on a des déclarations d'intérêt directes ou effectivement, lorsqu'on est rémunéré directement ou salarié par un laboratoire ou une CRO, on reçoit des avantages financiers, actions, donc détention d'actes de titre du laboratoire, honoraires, rémunérations, etc. Il y a aussi des liens plus subtils, plus discrets, qui sont les liens d'intérêt indirects. Des liens idéologiques. Par exemple, l'appartenance à certains groupes de pression ou de lobby, les liens psychologiques, si le cas où il y a des liens de subordination entre un membre d'un comité d'éthique et quelqu'un qui serait promoteur hospitalier, par exemple, ou des liens intellectuels, c'est-à-dire d'appartenir à un courant de pensée très particulier qui promeut certaines pratiques qui ne seraient pas favorables au fonctionnement du CPP. Alors, une des premières démarches réglementaires du CPP, c'est de catégoriser le type d'étude ou d'essai clinique en fonction de la catégorie. Catégorie 1, vous connaissez, les essais interventionnels. Catégorie 2, à faible risque. Et les catégories 3, non interventionnelles ou à très faible risque, typiquement des recherches observationnelles, par exemple. Donc, un des rôles du CPP, c'est d'abord, lors de la recevabilité, de catégoriser l'essai pour savoir s'il y a des risques ou pas. Et donc, effectivement, en fonction des risques, vous le voyez, je ne détaille pas, en fonction des risques, on va avoir un examen plus ou moins poussé sur les types de documents qui sont utilisés et les interventions auprès du patient. En séance, et c'est là qu'on entre dans le cœur de la démarche et de l'implication éventuelle des attachés de recherche dans les CPP, c'est de bien comprendre l'objectif de la recherche, la pertinence de cette recherche et l'adéquation des moyens par rapport à une méthodologie qui elle-même sera évaluée par des méthodologistes. Thierry Chevalier, qui est avec nous ce soir, intervient au titre de la méthodologie. Donc, il va nous dire si, au niveau de la démarche statistique, par exemple, on va pouvoir répondre à la question posée ou pas. Parce que si on fait un essai, on recrute des patients, mais on ne répond pas à la question posée, c'est un problème éthique en réalité, mais qui passe par un défaut méthodologique ou un défaut scientifique. Et puis, il y a des critères liés au respect des participants. Et c'est là que le Collège 2 intervient, dont je fais partie, pour savoir si, on l'a dit tout à l'heure, la feuille d'information est lisible, est-ce qu'elle est adéquate, exhaustive, est-ce qu'elle rend bien compte des droits du patient, est-ce que le patient va être libre de participer ou pas, est-ce qu'il pourra se retirer sans conséquence. Et donc, la question de la protection est centrale, le respect de la qualité de vie, le respect des données, évidemment, les données personnelles, l'assurance, le fait de ne pas perdre de chance en participant à l'essai. Toutes ces informations doivent être absolument claires dans la feuille d'information qui doit rester lisible et dans le consentement éclairé. Alors, comment est-on désigné pour apporter sur un dossier ? Donc, chaque membre d'un CPP, évidemment, a des compétences qui sont particulières, dont il aura rendu compte lors de son recrutement, sur son CV ou dans ses publications. Et donc, en fonction du type de qualification, on va lui donner tel ou tel dossier. En fonction aussi du titre, est-ce qu'il appartient au collège 1, au collège 2, est-ce qu'il est méthodologiste ou pas ? Donc, dans mon cas personnel,
On sait que d'origine, je suis un opérationnel de la recherche clinique, donc on va peut-être me poser plus des questions sur des techniques d'investigation, la faisabilité technique d'un essai sur le terrain, mais je suis également qualifié en matière de système d'information. Donc, s'il y a des essais qui portent sur des logiciels de système d'information, on me les confiera également. Donc, vous voyez, en fonction des qualifications, chaque membre recevra le dossier pour lequel, évidemment, il est le plus compétent. Et à partir du moment où on est désigné rapporteur d'un dossier, on va pouvoir en faire la présentation en séance. Donc, le but, c'est que chaque membre du CPP comprenne bien de quoi il s'agit, être capable d'expliquer le protocole simplement en quelques minutes, et puis de donner les angles saillants qui ont attiré notre attention pour ce qui me concerne sur les questions éthiques, mais je pourrais également donner mon point de vue sur la question méthodologique sans évidemment enfreindre l'avis du méthodologiste qui lui-même sera plus qualifié pour le faire ou le médecin qui sera plus qualifié pour parler de médecine. Donc chacun reste à sa place, mais on est tout à fait capable dans la collégialité d'échanger des points de vue de façon quasi horizontale. C'est ce que disait Thierry tout à l'heure et c'est ce qui rend la chose extrêmement intéressante de pouvoir dialoguer à niveau avec des médecins, des méthodologistes, des médecins méthodologistes, avec des personnes qui sont représentants d'associations de patients, des juristes. C'est extrêmement intéressant de pouvoir débattre autour de la table, chacun avec son niveau de qualification et de compréhension. Donc, le droit des patients, tel que vous pouvez le lire hein, sur les différentes feuilles d'information, donc, ça, c'est vraiment un point essentiel, hein, le temps de lecture et de réflexion d'un patient à l'hôpital. Vous savez très bien que c'est un point délicat, dans la mesure où le médecin n'a pas toujours le temps de le faire et qu'une personne qualifiée sur site devrait pouvoir le faire et devrait donner au patient le temps de lire à tête reposée. Le droit de refuser, bien sûr, le droit de poser des questions, le droit de connaître les informations sur sa santé, la transparence du dossier, le droit d'être tenu informé en cas d'événement grave sur l'étude chez un autre patient, le droit d'être informé des résultats. Alors, on le sait, cela est trop peu réalisé, mais un patient qui a participé à un essai devrait systématiquement recevoir les résultats globaux, résumés, lisibles de l'étude. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas souvent fait, qui n'est pas assez fait, et sur lequel, je crois, nous devrions avoir une action. Le droit de vérifier et de rectifier les données qui concernent, bien sûr, ça c'est le droit d'opposition classique de la CNIL et qui est évidemment renforcé dans le cadre des essais cliniques avec l'autorisation particulière des instances proches de la CNIL pour cela. Et le droit d'obtenir des dédommagements. Donc, alors, dédommagements de deux types, même de trois types. Le premier, c'est l'engagement des frais. Donc, les frais de participation d'un patient à l'essai peuvent être remboursés. Vous savez que j'ai moi-même développé une application de paiement anonyme des patients, donc c'est une activité importante. La compensation pour contrainte subie qui peut être également prise en compte par le promoteur. Et bien sûr, en cas d'accident, la couverture assurantielle avec des primes qui peuvent aller jusqu'à 1 million d'euros par sujet. Alors, si vous voulez aller plus loin dans la documentation, parce que je ne peux pas évidemment vous faire une présentation exhaustive, vous avez des sites qui peuvent vous permettre d'aller plus loin. Alors, j'espère qu'il est encore en ligne, notre recherche clinique. .fr, qui est un site très intéressant. Plus particulièrement pour ce qui nous concerne au niveau des CPP, le site de la Conférence nationale des comités de protection des personnes, où vous verrez qu'effectivement, sur les derniers débats, il est encouragé le recrutement des attachés de recherche, le site de l'ARCAT, le site de la NRS, bien sûr, et de la NSM, ça va sans dire, vous trouverez un certain nombre d'éléments. Donc ça, j'ai déjà dit, c'était pour agrandir un petit peu, que vous puissiez lire plus facilement. Voilà. Et si vous avez besoin de plus de précisions, vous n'hésiterez pas à m'écrire pour avoir plus de précisions sur ces sujets. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir sur le fonctionnement des CPP et ma participation au CPP. Je fais entrer Alain à nouveau et nous sommes prêts à répondre à vos questions. Alain, est-ce que tu as des réactions par rapport à ce qui vient d'être dit? Alain, est-ce que tu m'entends? Oui, mais mon téléphone se décharge, donc je ne vais peut-être pas pouvoir finir. Donc, d'accord. Je voulais te féliciter pour cette présentation, Yannick, très exhaustive. Et je pense qu'elle va intéresser beaucoup d'arcs, parce que de nombreux arcs ne sont pas au courant, effectivement, de la vie intérieure des CPP. Et certains ne savaient même pas qu'ils pouvaient postuler, qu'ils pouvaient candidater pour des CPP. Et je crois que ce webinaire ce soir, peut montrer aux arcs qu'ils peuvent avoir une action en dehors de leur action de monitoring,
ils peuvent avoir une action de participation au CPP pour justement montrer leur expertise de monitoring. Je suis tout à fait d'accord avec Je vais toi. devoir te laisser et vous laisser parce que... Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi dans le sens où l'attaché de recherche est l'ange gardien de l'essai clinique. L'ange gardien de l'essai clinique, c'était la définition de Bouvenot hein, dans un livre assez ancien maintenant qui a été édité par l'INSERM. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'il doit être l'ange gardien de l'essai clinique où qu'il soit. Et pour ma part, et c'est la logique Intelligence in Lab qui a prévalu aussi à la formation de la NAT, il y a donc trois niveaux selon moi. Le niveau opérationnel, celui dans lequel nous commençons, le niveau académique, c'est-à-dire la transmission, la formation à laquelle toi-même tu participes à Subsanté, où j'ai été moi-même, transmettre par la formation académique à d'autres attachés de recherche en devenir, et puis le niveau institutionnel, celui finalement que nous allons atteindre avec la NAT et que nous cherchons à atteindre dans les comités d'éthique, c'est-à-dire intervenir au niveau de la législation, de l'autorisation de l'essai clinique. Et donc, vous voyez qu'il y a une forme de verticalité du rôle de l'attaché de recherche qui est en train de se faire. Et donc, nous vous encourageons effectivement à participer. Donc, moi, je reste à votre disposition pour répondre à des questions à l'issue de ce webinaire. Je diffuserai, s'il le faut, donc les slides à ceux qui me les demanderont pour pouvoir échanger avec eux sur ces questions. Et si vous avez besoin de faire des visios plus privatives, on pourra les faire également pour échanger, pour savoir si vous pourriez prétendre à siéger dans un CPP, sachant qu'en effet, ça s'adresse à des gens qui ont à des attachés de recherche qui ont une certaine expérience. On dirait qu'à moins de 10 ans d'expérience, c'est compliqué de participer à un essai, à un CPP, dans la mesure où il faut avoir travaillé sur tout type de phase, tout type d'essai, drogue, dispositifs médicaux, épidémiologie, etc., pour pouvoir effectivement participer à la collégialité des échanges, avoir des connaissances solides sur un plan médico-pharmaceutique. Et parce qu'il n'y a pas que, effectivement, la science, c'est vrai, il y a aussi d'autres dimensions plus sociétales que l'attaché de recherche peut également insuffler et méthodologique. Donc, je regarde s'il y a des questions. Je suis prêt à répondre à vos questions. S'il n'y a pas de questions, nous allons clôturer. Dites-moi s'il y a des questions. J'attends vos questions sur le fil. Donc, c'était un plaisir hein, d'être avec vous ce soir. J'espère qu'on pourra prolonger ces échanges sur les réseaux sociaux. Sachez que cette conférence restera en ligne gratuitement sur le YouTube en streaming et que vous recevrez bientôt des communications sur les fonctionnalités de notre site internet qui est désormais disponible pour vous et sur lesquelles vous pourrez devenir adhérent, cotisant pour bénéficier d'encore plus de services, beaucoup plus de proximité, pouvoir même venir discuter avec nous au sein des studios live pour ceux qui seront adhérents, cotisants. Donc, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis au mois prochain. Retenez bien, c'est tous les troisième jeudi du mois qu'aura lieu ce webinaire colloque de la NAT. Et vous recevrez évidemment des communications pour vous le rappeler, que ce soit sur les réseaux ou par mail pour ceux qui sont déjà inscrits. Merci, bonne soirée, à bientôt.